Alors bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne de Habib Gaming. Donc aujourd'hui je vais vous parler rapidement des meilleurs starters à prendre au début. Donc là c'est juste pour les trois premiers paquets que vous avez ici au tout début du jeu. Donc c'est juste le premier paquet, matière liste du premier paquet à choisir. Donc rapidement, Mewtwo, vous avez Ossature. Dracaufeu, vous aurez Noix de Coco. Et Pikachu, vous aurez Arcanin. Donc les trois seront EX, bien sûr. Dans Pikachu, je recommande Arcanin si vous comptez build un deck feu. Dans Mewtwo, pour Ossature, donc forcément un deck combat, c'est Ossature donc de garantie. Donc Arcanin de garantie pour Pikachu. Et pour le deck plante, Dracaufeu, enfin Noix de Coco que vous aurez dans Dracaufeu. La seule petite chose à noter, c'est que vous aurez une belle carte après dans la pioche miracle, qui sera un des starters que vous aurez, donc soit Carapuce, Salamèche ou Bulbizarre, qui sera une petite variante de la carte en mode plus belle, beaucoup plus jolie. Mais bon, là on est vraiment sur l'aspect collection, donc c'est vous qui voyez. Pour moi, vous pourrez la drop après en invoquant sur le paquet que vous choisirez. Mais là, c'est vraiment pour start un peu mieux, savoir un peu le deck vers lequel vous allez aller. Donc pour ma part, je vais vous montrer un exemple. Donc là, on va prendre Pikachu, voilà, je vais Arcanin. Donc tout simplement. Qui pour moi, Arcanin et Noix de Coco sont les meilleurs. On parle que de l'aspect force. Après, ce n'est que mon avis. Donc là, vous voyez que j'aurai Carapuce automatiquement. Et bien sûr, le Arcanin. La magnifique Arcanin. Super forte. Voilà. Très très belle en plus, que j'aime beaucoup. Voilà. Et donc là, j'aurai forcément le Carapuce joli. Quand je vais faire la pioche miracle dans un instant. Donc là, je vous montre juste après vers quoi se tourner. Voilà. Et je vais juste vous montrer comment reroll après. Et petite astuce aussi, sur le premier paquet qui vous force à ouvrir, là, le premier paquet de Mewtwo, vous pouvez choper une carte la plus rare du jeu, une carte gold bien sûr. Un Mewtwo EX gold, vous pouvez le dropper. Moi, j'ai déjà droppé un Mewtwo EX sur le premier paquet. Hein. Que là on va avoir dans un instant, je vais vous montrer. Ça serait bien que je l'ai là devant vous. Ça serait pas mal. Donc voilà, moi je recommande de reroll. Voilà pour les free to play, les pauvres, bien sûr. Ça débite un petit peu. Là, vous pouvez pas choisir un autre paquet. Hein. Ce sera forcément Mewtwo que vous allez devoir ouvrir. Mais là, on peut avoir Mewtwo EX. Hein. S'il y a des gens qui veulent jouer Mewtwo là sur ce premier paquet là. Sur celui d'avant, non. C'est forcément Ossature, les amis. Ah, un petit loupé. Là, ici, on peut tricher un petit peu, regarder sur le côté, vous voyez. Voilà. Pour les gens impatients. Et on n'a rien du tout. Et là, j'ai déjà eu Mewtwo X, hein, sur ce paquet-là. Hein. Véridique. Dommage que là, c'est pas passé pour la vidéo, mais bon. Mascara brut. Qui apparaît dans Jojo, bien sûr. Jojo Lyon. Et donc là voilà, donc là la pioche miracle, je vous montre rapidement. Là donc là j'aurai forcément Carapuce. Et là vous prenez pas la tête. Hein. C'est sûr d'avoir la carte du starter joli. Hein. Vous prenez pas la tête à réfléchir, là il n'y a pas de souci. Donc pour les rerolls, donc le maximum du reroll, voilà. Si vraiment vous voulez le reroll best of the best. Donc déjà, vous choisissez votre meilleure carte. Sur le premier paquet là que j'ai ouvert avec Mewtwo, vous cherchez à avoir une EX. Après peu importe si c'est une gold ou pas. Voilà, déjà avoir une EX c'est pas mal. Qu'il vous faut, c'est encore mieux. Là, ce serait vraiment pousser un peu le bouchon. Mais vraiment le must du must. Hein. Donc, c'est reroll sur le paquet de Mewtwo, avoir une jolie EX. Ensuite, donc là, vous invoquez vos quelques paquets, vous chopez pas mal de EX aussi. Donc là, par exemple, on va invoquer sur Dracaufeu. Voilà, pour la vidéo. Ici, avoir des EX aussi. Sulfur AX, voilà, vous commencez comme ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir une EX aussi sur la Mewtwo, hein. Déjà vous avez Sulfur AX, votre deck Dracaufeu, il est bien parti les amis. Voilà. On va vers le prochain, allez celui-là. Ah, pas mal, j'ai bien ouvert celui-là.
voyez, tu vois, vous voyez des starters, on va en choper d'autres. Donc au final, c'est pas grave, vous voyez que j'ai pas eu Salamèche dès le début. Je l'ai pas en très très belle et je vise un deck feu. Je vais attraper des Salamèches et des Reptincelles sur ce deck, vu que je veux Dracaufeu par exemple. Donc là, on ouvre le troisième paquet. Là, si j'ai un Dracaufeu, ça serait pas mal du tout. Hein. S'il y a des gens qui veulent le compte en reroll, n'hésitez pas dans les commentaires, je pourrais toujours le passer s'il y en a que ça intéresse. Des flemmards qui veulent juste Sulfura. Ah, loupé. Ah, là, vous voyez, on a une petite jolie d'ailleurs, sûrement Galopa. Ah, Alakazam! Pas mal du tout. J'aime beaucoup cet Alakazam, cet artwork là. Très très joli skin. Donc vous voyez, donc voilà, vous faites un reroll comme ça. Après, vous avez d'autres paquets à ouvrir. Hein. Là, je vais pas tout faire. Donc là, on a déjà ouvert 3. J'essaie de faire une petite vidéo assez rapide. D'accord? Donc c'est vraiment pour les tips. Et là, je vais vous montrer donc le must du must après. C'est d'après de faire la pioche miracle. Là, c'est vraiment chercher le reroll perfect. Donc là, par exemple, on cherche un où il faut 3 pions, bien sûr. Là, on a Miaou, c'est pas ouf. Là, on n'a pas grand-chose. Hein. Et là, vous voyez, on n'a rien de folichon. On regarde même dans les expirés. Et là, on n'a rien. Et là, pour le stream, voilà, on va essayer de choper Miaou. Et là, il y a même Salamèche. Donc là, il y en a deux. Pourquoi pas? Ça nous fait deux chances d'avoir une petite jolie carte. Donc, c'est mieux de chercher une EX ici, hein, bien sûr. Allez. Et bah Miaou qui tombe. Magnifique. Magnifique. Et là, si vous commencez, que vous chopez la carte qu'il vous faut ici avec la pioche miracle dès le début, c'est pas mal du tout. Vous avez une chance sur 5. Donc au final, c'est pas trop mal. N'oubliez pas de dire merci toujours. Vous gagnez des récompenses. Hein. Voilà. Donc dites merci. Soyons tous polis entre nous. Et voilà, bah, je vais vous laisser sur ça. Donc après, vous voyez, il y a plein de petites récompenses à récupérer pour continuer à invoquer. Voilà, n'hésitez pas. Ok, les amis. Et là, je vais faire les deux petits derniers avec vous en live. C'est toujours gratuit. Hein. Ça fait toujours plaisir d'ouvrir des starters. Vraiment, reroll sur ce jeu, c'est un petit plaisir. Voilà, on ouvre des paquets de cartes, c'est sympa. J'ai fait pas mal de reroll, mais je m'en fous parce que c'est toujours cool d'ouvrir des cartes. Auguste, mon moustachu préféré. Sablero, mon gars. Moi, je suis un mec de la première génération. Hein. Première génération, deuxième génération, après le reste. Il y en a des pas mal, mais vraiment best of the best. Première génération, les amis. Hein. Je suis désolé. Hein. C'est pas pour rien que Dracaufeu, c'est Pokémon préféré de tout le monde, ainsi que Mewtwo en légendaire. Hein. Ils nous ont pas mis du Brasigali ou du Simiabras. Hein. Tartare, mon gars. Bon bah voilà. J'espère que ce petit tuto reroll vous aura plu. Je vous montre c'est où que ça se passe pour reroller votre compte. Si là vous n'êtes pas satisfait par exemple. Voilà, vous avez que Sulfura VX. Vous auriez voulu un peu plus de chance. Vous allez ici, dans compte, et là, effacer les données. Et vous faites effacer et c'est parti. Vous pourrez reroller comme ça sans supprimer l'application. Direct. Voilà les amis. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et bien sûr, à poser vos questions dans l'espace commentaire.